Hey Nico, let's go! Je suis dans un rush de fou! Non là les gars, je sais même pas comment je trouve la force de tourner une vidéo. Là ça va faire 4 jours, je vais ouvrir mon nouveau restaurant, j'y suis matin, midi, soir, nuit. J'espère qu'on va passer un bon moment. Let's go! Ça va ou quoi les amis? Moi aujourd'hui je suis éclaté. Ah je suis éclaté, je sais pas si ça se voit mais j'ai les yeux tout rouges. C'est pas parce que j'ai pris le bra... C'est juste parce que j'ai beaucoup travaillé. Mais bref, on n'est pas là pour raconter sa vie. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour aller à la découverte d'un nouvel épisode d'un dîner presque parfait. Mais là, il y a une petite variante puisqu'on va aller chez nos amis canadiens. Et l'émission se nomme Un souper presque parfait. Un souper. Ça, c'est vraiment des trucs qu'on n'utilise pas en France. Je vais souper. Le concept, il est simple, vous le connaissez. Tout au long de la semaine, 5 candidats vont s'affronter à coups de combat culinaire. Chaque jour, un des candidats invitera les autres chez lui à manger. Et à la fin de la semaine, celui qui aura reçu les meilleures notes et préparé les meilleurs plats remportera l'émission. J'espère que vous êtes chaud puisqu'on démarre tout de suite avec une nouvelle masterclass. Let's go! Choisissez 5 personnes qui aiment cuisiner mais qui ne se connaissent pas. Demandez-leur de se recevoir à souper à tour de rôle et de se décerner des notes. On aurait dit des petits caca. Des petits caca avec du bacon. Ça commence sur le chapeau de roue! Des petits caca avec du bacon! À la fin de la semaine, 2 000 $ iront à celui ou celle qui aura concocté. Hey, tu manges ta barbe, moi? Sérieux? Un souper presque parfait. Oula, mais c'est une parodie là ou c'est un vrai épisode? C'est le souper presque parfait! Bienvenue à Montréal pour le deuxième souper de notre semaine de compétition. C'est hier chez Sofiane que nos participants ont fait connaissance et on a beaucoup connu le très unique Tommy. Ta recette de l'usure. Tu veux-tu la mienne, il en reste? Oui! Tiens, vas-y. Fait que t'es tué un lapin, quoi? Non. Oh, il mange les fins de plat. On dirait mon dog. Au début de la soirée, je me suis sentie. Ma tante. C'est drôle parce que. D'habitude, je me sens toujours jeune, mais là, je me sentais ma tante parce qu'elle était toute plus jeune que moi. Jeunes et moins jeunes se sont beaucoup amusés hier. Et je pense que l'alcool a aidé un petit peu. Non, mais attends, là, il est en fonce dalle. Il vient de rentrer de soirée ou quoi? En tout cas, le frérot, je mise beaucoup sur lui parce qu'il a une coupe, hein? Son coiffeur actuellement, il est à Fox River, je crois. Pas le choix, faut y aller. Moi et Ali, on était quand même... J'aurais pas conduit une tondeuse à gazon, genre. C'était quoi sa tenue de chantier, là? Ben, je suis très content d'accueillir des gens chez moi. Ça s'appelle le musée de l'absurde depuis 2010, quand j'ai mis une télévision dans la chambre de bain. Dans la chambre de bain. Je me demande ce que Tania va trouver à dire aussi. Sûrement qu'on va avoir quelques commentaires négatifs difficilement camouflés, et ça va me faire rire. Attends, mais en vrai, c'est un bon. Ah non, moi j'aime bien les gens décalés comme ça. Ça apporte un petit plus, une petite vibes. Mais le québécois, c'est fantastique. En France, une chambre, c'est un endroit où on va dormir. Une chambre de bain. J'ai jamais dormi dans mon lavabo. Tania, c'est plutôt côté danse qu'elle se démarque. Et c'est demain qu'elle va devoir bouger en cuisine. En mode Morgan Make-up. Jeudi, nous serons reçus chez Kim et elle aussi se croit toujours dans la course. Je pense que mes chances sont bonnes. J'ai peur de Tommy. Je ne sais pas ce qu'il va être capable de faire. Puis c'est un personnage, on peut s'attendre à tout. Je confirme. Et c'est vendredi qu'aura lieu la dernière soirée de la semaine qui sera offerte par Ali. Qui sera offerte par Booba 92i. Au début, avec la barbe et le crâne, j'ai cru que c'était Booba. Adieu, mon pays. En date d'aujourd'hui, je pense que je suis très bien placé pour gagner. L'ambiance, ça va lever chez moi, ça c'est sûr. De retour chez Tommy qui nous parle de sa décoration et de son menu. Oui, il y a un lien. Au musée de l'absurde, on a un endroit qui s'appelle le Baconistan et c'est sûr et certain que d'un bout à l'autre, il va en avoir du bacon à l'entrée, au dessert et dans le plat principal. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Je me fais pas chier, je vais vous servir du bacon à toutes les sauces. Et jusqu'à là, une planche de skate bacon. L'eau chez moi, c'est pareil, il y a un filtre, ça met du sirop de bacon dans le verre directement, au cas où vous en avez pas eu assez dans les plats. Excellente nouvelle pour Ali, qui ne mange pas de porc. Et ce festival du bacon va débuter avec cette entrée. Ali va rien manger, le gars, il a pas pensé aux autres. Il a mis du porc entrée plat dessert. Pâques sur croûton. Moi, je trouve que Pâques, ça fait viande, justement. Ça fait terrine pâtée, peut-être une terrine de lapin ou quelque chose comme ça. Pâques sur crouton, OK. Ça te dit quoi? Du chocolat, non. Petite gourmande! Oh, ma petite gourmande! Des œufs sur des croutons. Ah ouais? C'est assez ordinaire. Genre, sandwich aux œufs? Sandwich aux œufs. Eh ben non, ce sera du bacon! Eh ben, ça le fait rire. Mais je ne suis pas certain que le nom du plat principal va l'amuser autant.
sushi de cheeseburger au bacon et leur bonne conscience. Sushi de cheeseburger? Déjà, il y a des mots qui vont pas ensemble. Sushi, cheeseburger. Là, il y a quelque chose qui va pas dans l'énoncé. Disons que si on mange un cheeseburger, c'est pas très diététique, donc peut-être qu'on n'aurait pas une bonne conscience. Je pense qu'il fait du gras sans trop faire du gras, peut-être, et que justement, la bonne conscience, c'est parce qu'on mange sans que ce soit trop fat. Visuellement, ça va avoir la gueule des sushis, hein. Mais au niveau calories, ça va envoyer le bacon. Et le repas de Tommy va se terminer avec la dernière mission. Ma dernière mission, j'aimerais beaucoup ça qu'il y ait du chocolat dedans. T'es une petite gourmande! Tommy nous garde la surprise pour la fin. Ah, tu penses que c'est Tommy? Je suis persuadée à 100% que c'est Tommy. Si on s'en va pas chez Tommy ce soir, je vais être vraiment, vraiment, vraiment surprise. La dernière mission sera de manger 10 kilos de bacon en moins de 10 minutes. Et sa préparation débute de fort belle façon. Wesh, la maison! Vous lavez les mains en commençant la cuisine, c'est une loi internationale. OK. Et pourquoi un habit de travailleur, Tommy? C'est pour travailler. Là, tu vois, c'est ma journée de la semaine qu'il va falloir que je sois bien occupé. Fait que je me suis habillé en conséquence. Tu poses des questions, toi aussi. Pourquoi un habit de travailleur? Tu vois bien qu'il a travaillé. Là, putain, c'est mon roi. Chez toi, c'est le musée de l'absurde. Ça me surprend pas trop, mais t'as commencé ça comment? J'ai tout le temps été un collectionneur de choses bizarres, de choses que les gens prenaient pour acquis, que c'était laid ou ça servait à rien. Boum! C'est moi, il y avait une photo de meuf qui était en train de s'embrasser avec du caca dans la bouche, là. Mais pourquoi autant de bacon? Parce que tout le monde est un fan de bacon. Il n'y a personne qui n'est pas un fan de bacon. Tu sais, ça vient d'où, le bacon? Non. À toutes les fois qu'il y a un cochon qui meurt, il y a un arbre qui pousse à l'endroit où il est mort. Cet arbre-là, ça s'appelle le baconnier. Ça fleurit une seule fois. Ça fait des belles tranches de bacon. Puis la plante meurt et devient molle. Là, ben avec ça, on peut faire du jambon. Tout le monde est fan de bacon. Mais là, le frérot, il est dans une galaxie. C'est un héros. Et tu sais que Ali ne mange pas de bacon? Je vais lui faire un burger à part. Puis les bacon bits comme ça, on va pouvoir les rajouter par-dessus. Ça sera où? Je vais laisser chacun en contrôle de sa consommation de bacon. Sa consommation de bacon. C'est quoi ça? Douteux.org, c'est notre organisme à but non lucratif enregistré. On a un mandat très clair qui est de ramener le questionnement dans la consommation culturelle des gens. Rien prendre pour acquis, de se questionner, de ne pas avoir peur d'ouvrir des dossiers, de questionner les traditions. Puis pourquoi que le monde s'achète tout un pop-corn à 12 piastres quand ils s'en vont au cinéma, je sais pas. C'est effectivement une excellente question. J'ai pas compris la question. Pourquoi le pop-corn est à 12 piastres? Si quelqu'un peut me mettre la traduction, s'il vous plaît, les gars, j'ai pas compris. Tommy fait chauffer de la crème, du beurre, du chocolat et du sirop d'érable. C'est beau le fromage. Notre philosophe personnage ajoute son fromage à des morceaux de pommes pour faire une salade. Puis il coupe du jambon pour son entrée. Le bacon avance. Le bacon, tu peux pas mal mettre ça partout où tu veux, comme tu veux, avec ce que tu veux. Mais lui, sa mère, elle a mis du bacon dans son biberon, c'est pas possible. Wesh, il en met partout. Jusqu'à son PQ dans les chiottes, c'est sûr, c'est des tranches de bacon. Puis il ajoute de la vinaigrette à sa salade, qu'il touille à la main. Pas de niaisage. Tu fais ça souvent, Tommy? Ben, les mains, c'est pas mal l'outil le plus pratique. Il est trop fort! Puis, on étend du bœuf haché pour le sushi cheeseburger. On ajoute des garnitures et, évidemment, des bacon bits. On est en train de faire quelque chose de beau, là. C'est effectivement pas si pire, finalement. Oh ouais, des sushis steak haché bacon. Non, ça c'est... Mais ça, c'est un crime! Mais attrapez-le! Où est la police? On ajoute le jambon aux ananas pour l'entrée. Et on fait cuire une boulette de viande sans bacon pour Ali. Petit moment de réflexion. Fini! Bravo! Victoire! Jusqu'à elle a réussi à mettre du bacon dans son dessert, ça c'est fort. Invité de ce soir, soyez prêts. Tommy est sur le point de vous accueillir dans son décor enchanteur. Il a l'air content. Tania, sois la bienvenue. Eux, ils vont découvrir sa maison, craquer. Bonsoir! Oh, salut! Ben ouais, bienvenue au musée. Tania, toujours, hein? Ouais. Tiens, viens, je vais te montrer quelque chose de particulier. C'est un de mes coins préférés ici. Tu vois, c'est le coin de la religion, des choses importantes. Okay. Tu vois comment c'est beau ici. Tu peux le bouger, puis tu vois différentes affaires. OK. C'est un gros pénis? Non, c'est les pénis. L'unique. Il y en a qui pensent que c'est la fabuleuse Excalibur, mais on n'est pas sûr. C'est les pénis. Putain, je suis mort. OK. Elle va prendre peur, elle attend l'arrivée des autres invités, je pense. OK, je suis tombé chez un fou. Et par contre, sans blague, si moi je suis au Canada, mon rêve c'est d'aller visiter sa maison. Mais le gros engin que j'ai vu au plafond, ça par exemple, ça m'a impressionné. Là, le gros engin, ça m'a... Oh non, je vais arrêter de faire l'accent, j'arrive pas à le faire. C'est bon. Hey, salut Ali. Salut Tommy, ça va bien? Bienvenue à la maison. Ah, je vais bien, je vais bien. T'as un bon uniforme? Merci beaucoup, j'ai travaillé très fort aujourd'hui. Ouais. Je te présente le livre brun du Musée de l'Absurde. Je demande à toutes les personnes qui passent ici de
peux signer dedans. Ça va faire plaisir. Tu peux t'approprier un nom, tu peux ne pas le faire aussi. Et quand j'ai signé le livre, c'était correct, je trouvais ça le fun, mais il y avait la chaussette grise dans ma face, puis j'étais un peu dédaigneux, là. J'étais pas trop sûr de vouloir y toucher. La chaussette, on sait pas où elle a traîné. Ça se trouve, elle a fini dans les pénis. Salut! Hello! Ah! Bienvenue au musée. Joli costume. Ben, merci beaucoup, merci. Tiens, tiens. Tiens. Bon. Oh, il a mis le chapeau du bouffon du roi. Oh ouais, direct au goulot. Fidèle à toi-même. Ah, oh, son drinkosris, qu'est-ce que c'était dégueulasse. Je m'attendais à ce qu'ils disent, c'était exceptionnel. Ah, c'était dégueulasse. Mais les gars, dans la vie, faut pas plus de personnes comme Tommy, sérieux. Tu sais, il sort complètement de l'ordinaire, il a un univers totalement à lui. Non, moi j'aime trop. Tommy, est-ce que t'es content de ta visite guidée? Ah ben, je pense que ça a bien été. Il y a eu des sourires, tout le monde est en pleine forme. Ils sont peut-être en forme, mais ils sont pas très jasants, je trouve. Je me demande comment il fait pour vivre ici, parce que moi, je suis pas capable de dire plus qu'une heure ici, pour vrai. C'est... Je sais pas comment dire. C'est chargé. C'est un lieu rempli de culture. Les pénis. Ça, je vais pas m'en remettre. Jusqu'à l'écrit poubelle mardi, vendredi. Entre parenthèses, on les sort le lundi et jeudi soir. Au cas où on n'aurait pas compris que s'il y a pas le mardi, faut les sortir le lundi soir. Check, check. Tiens, ça se casse. Ça, c'est pas à toi de juger. Et c'est parti pour l'entrée. Pâques sur Crouton. Oh, l'entrée, elle est bien fade déjà. Hein. Voilà. Première livraison. En tout cas, visuellement, c'est appétit. Donc, je présume que c'est des croques Monsieur Maison. Il y a définitivement eu un malaise dans l'entrée, surtout quand je me suis tournée puis j'ai vu les ananas sur le tranche de pain à Ali. Là, ça, c'était... Tranche de pain, ananas, jambon. Non, ça, c'est vraiment un combo pour te faire chier mou aux toilettes. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple, du sirop d'érable, des ananas. Voilà. C'est quelque chose que mélangé avec du jambon. Ça devient bon encore. Super simple, puis ça va bien dans la bouche. Bon appétit. Bon appétit. Oh, l'épreuve de Koh Lanta. Et là, on me demande de manger ça ou des asticots, je sais même pas, je prends quoi. Avez-vous quelque chose contre le beurre dans la semaine? Moi? T'as-tu du beurre? Moi, j'ai du beurre. Oui, j'aimerais ça de l'avoir. Je suis fatiguée, là, mais il me semble du pain, ça va être du beurre. Tu veux du beurre, ma gourmande? C'est pas que j'ai une focus sur le beurre. C'est le beurre. Je comprends pas qu'une confession qui naît. Il n'y a pas de beurre sur la table, il n'y a pas de pain, il n'y a pas... C'est comme le strict minimum, là. Il l'a pas. Comment ça, c'est le strict minimum? Eh, faut se calmer sur le beurre, ma douce. On dirait pour elle, c'est une dinguerie. Genre, c'est un scandale. Il n'y a pas de beurre. Tania, elle trouve chialeuse. Elle chiale beaucoup. Elle se plaint tout le temps, on dirait. Mais elle aime le beurre, fait que, écoute, elle va en avoir du beurre toute la semaine. T'es une chialeuse. Oh putain, vos expressions, elles sont magiques, je vous adore. Je m'attendais vraiment à quelque chose de gastronomique, puis j'ai eu un croque-messure. Les ananas en bouillie, la petite épice de basilic. Mais c'est quoi ça? C'est un naufrage culinaire. Quand j'ai trouvé le poil, premièrement, je savais que c'était pas un poil d'animaux, c'était trop long. Enfin, je me demandais juste c'était quoi, mais avec toutes les gogosses, comme qu'on dit qu'il y a ici, ça vient de... Peut-être c'était un poil de cul de Tommy quand on était petit. C'est pour mettre dans son musée, c'est un souvenir. Oh putain, j'ai fait un accent moitié belge, moitié... Non, c'est catastrophique, faut vraiment que j'arrête. Notre travailleur est de retour en cuisine pour son plat principal. Une petite gorgée. Content de ton entrée, Tommy? Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est la deuxième fois que je la fais, puis c'était encore meilleur que la première fois. En tout cas, c'était un succès auprès des invités. Hein. Ils ont adoré, ils ont... Wow. Vraiment, ils ont découvert des nouvelles sensations au niveau des papilles, c'était fantastique. Mais par contre, un petit conseil, il manquait un peu de beurre. J'ai vraiment de la bière à l'infini. Fait que, gênez-vous pas si vous manque quelque chose. As-tu pensé au Pepsi Diet, par hasard? Non. OK. Dit qu'elle est coincée, Tania, c'est dingue. Mais là, de se plaindre, de demander du Diet Coke ou des trucs comme ça, c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est... là, ça joue la stratégie, vraiment, ouais. C'est-tu de ta barbe, ça? Je pense pas. Pourquoi elle nous fait chier, là? Tu vois pas que là, t'es dans un lieu unique, exceptionnel, que tu ne reverras plus jamais de ta vie, probablement. T'es là en train de nous faire chier avec du Diet Coke. Profite de ce moment et de cette douce atmosphère. C'est pas un poil de ta barbe, ça? On va te le faire bouffer, ce poil, si tu continues. Quand j'ai trouvé le poil, premièrement, je savais que c'était pas un poil d'animaux, c'était trop long. Enfin, je me demandais juste c'était quoi, mais avec toutes les gogosses, comme qu'on dit, qu'il y a ici, ça vient de là, là. C'est ça. Fait que... Je vais faire un petit peu de merde, là. Calme-toi, le hérisson, calme-toi, ça va aller. Calme-toi, petit niglo, calme-toi. Je sais pas si c'est ta coupe hérisson qui te rend aigri comme ça, mais le petit niglo, il va vite retourner dans son terrier. Après que ce soit vraiment un poil dans ton assiette, je peux comprendre et dire, écoute, je suis désolé, il y a un poil dans mon assiette. Mais là, c'était sur la table et en plus, ça avait même pas l'air d'être un poil. Donc je pense que c'était vraiment chercher l'erreur. Voilà, merci. Enfin, des gens conscients. Laissez notre boss Tommy travailler. Donc Tania a trouvé un poil sur ta table. Tu réagis comment? Elle a l'œil. Peut-être qu'elle l'a amené de chez eux pour avoir de quoi se plaindre aussi. Ça se peut en sapresti, ça. Il s'en bat les couilles. Tiens. Oh là là. C'est moi le chanceux, alors.
C'est-tu de l'épinard ou c'est de la salade? C'est de la mescla. La quoi? Mescla. OK. C'est quelle sorte de fromage dans ta salade? Vu que je connais pas vraiment grand-chose. C'est du Hoka. OK. Non, mais elle nous fait chier, celle-là. C'est quelle sorte de salade? Et ton poivre, c'est du Lidl ou du Carrefour? Mais ferme-la, non, mais vraiment! Le plat principal à Tommy, goûter un cheeseburger sans pain. La salade, elle noyait dans la vinaigrette, là. C'était comme... Il n'y avait aucune présentation, là. C'est pas un plat de compétition. C'est que ça reste un burger que n'importe qui peut se faire. Puis la salade, j'ai vraiment pas aimé. Je m'excuse, j'aime pas les oignons. Puis il y avait trop d'oignons, un peu. Fait que... Je pense que j'ai eu plus de facilité à manger l'entrée que le plat. Le plat, ça m'a un peu dégoûté par l'ampleur du nombre de viande qu'il y avait dans le sushi. Hey, de ouf, le sushi dégoûté, on dirait des gros pavés de viande. Hey, laisse tomber, faut être un homme de Cro-Magnon pour s'incurgiter ça. On peut jouer à roche-papier-ciseaux contre la personne qui est à notre droite. Je vais donner un trophée au gagnant. Un trophée? Roche-papier-ciseaux. Yes! Ah! J'ai un trophée! Ouais! Wow! Un vrai de vrai? Ouais. J'ai gagné un trophée, écoute, j'en suis fière. Ah oui, de la vraie trophée! Bien contente. Ça ne fut pas une compétition difficile, mais c'est le fun! Non, Tommy, t'es vraiment le boss. Non, t'es le meilleur. Puisqu'elle a prévu trophée et tout pour sa soirée, non, il est incroyable. Invite-moi chez toi, s'il te plaît, au musée de l'absurde. C'est mon rêve. Qu'est-ce que tu fais, Tommy? Ben là, je suis en train de faire des petites boules. Oh, j'ai cru qu'ils sont en train de mouliner de la merde. Trop peur! C'est salissant, je trouve. Ouais, c'est très salissant. C'est pour ça qu'il faut que tu restes loin. C'est quoi ça? La dernière touche. Touche de bacon, évidemment, pour la dernière mission. Des petites boules de merde parsemées de bacon pour relever le goût. Et c'est parti, ça envoie. Moi, je suis pas sucré du tout, mais non, je vais faire l'effort. Mais il y a du bacon, ça va. Rajoute du bacon. C'est ça. Je l'ai mangé pour être poli. Le bacon était très bon. Finalement, le chocolat était pas si pire. La présentation était tellement dégoûtante que ça partait vraiment avec un moins 10 que j'avais de la misère à le mettre dans ma bouche. Mais la présentation, c'est une dinguerie. On dirait vraiment que quelqu'un vient de guiche dans l'assiette. Non, c'est trop. Comme il a tourné ça dans ses mains, là. Non, non, vraiment, on dirait qu'il venait de prendre ça dans la cuvette des shots. C'est trop. Le dessert, pour moi, c'était bon parce que j'adore le chocolat. Par contre, le bacon dessus, non. Puis la présentation, nul. Ça manquait un peu de beurre. La séance de rasage, c'était vraiment le fun et agréable. Je pense que c'était juste comique. Puis je pense que tout le monde a apprécié le gag. Non, mais Tommy, c'est vraiment le boss. Hein. C'est le genre de gars, il s'en fout de tout. Il est là, il rigole. Il prend la vie comme elle est. Il en a rien à foutre. Non, vraiment, ça, c'est le genre de personne que j'adore. Les recettes pleines de bacon de Tommy, ainsi que notre page description, sont sur vtele.ca. Ah les gars, n'hésitez pas, hein, si vous voulez retrouver les recettes et tout, vous les avez ici, je vous laisse le lien. vtele.ca, vous allez avoir toutes les recettes de bacon de Tommy. Tommy est maintenant seul dans son musée de l'absurde, dont il doit faire le ménage. Et il a quelques petits regrets. En rétrospective, l'endroit est un petit peu trop petit, trop tassé. Puis ça, ben, je pense que ça l'a peut-être venu nuire à l'ambiance. Mais sinon, je suis très content de la manière que ça se passe. Il est trop fort. Le gars ne remet pas en question ses plats, il remet en question la table. Ce soir, à Tommy, je donne un généreux 5. Ce soir, je donne la note de 6 à Tommy. Ce soir, je donne un 4 à Tommy. Ce soir, je donne un 4 à Tommy. Mais dites-moi que c'est sur 10, s'il vous plaît. C'est pas des 4 sur 20 là, qu'ils sont en train de donner parce que sinon c'est terrible. Moi, Tommy, je te donne le maximum, la meilleure note. Non, c'était fantastique. Je pense que je vais avoir autour de 22. Eh bien, tu te trompes, Tommy. Tu ne peux faire mieux qu'une note de 19, ce qui veut dire que Sofiane est toujours notre meneur. Ça veut dire qu'il a même pas la moyenne. Je pense que c'est sur 40, du coup. Demain, chez Tania, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. J'ai peur d'avoir l'air d'un con en faisant ça, genre faire exprès de rire. Il me semble que genre ça se fait pas dans ma tête. Ah ouais, je pense que chez elle, ça va être très malaisant. Les plats, ça va plus être du bacon, ça va être du beurre. Donne-moi un peu de beurre! Eh, hey, mais les gars, sérieux, Tommy, il était pas extraordinaire. Mais moi, les gens comme ça, je les adore. Même c'est trop bien, sérieux, il est décalé, il est dans son univers, il a son truc. Genre, t'arrives chez lui, tu découvres un nouveau monde. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre un max de likes, de partages, de commentaires. À me dire si vous voulez d'autres épisodes sur un souper presque parfait. Voilà, sur ce, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je retourne au restaurant, let's go, j'ai un service à assurer. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et de votre famille. C'était votre gars Nico. Rrr.